Ah, faut que j'arrive minimum 6e du coup. Et pour arriver 6e en partant 14e, une stratégie très simple. Il y a un pit minimum. Donc le truc à faire dans ce cas-là, c'est de rentrer directement dans les stands au premier tour. Donc je vais faire un tour à blanc, un tour derrière les mecs. Et arriver premier tour, fin du premier tour, je pit. Pouvoir avoir du clean air, ça s'appelle. Personne devant moi pour pouvoir me gêner, enfin pour me gêner. Là, tu sors. Là-bas, il y a un pied, voilà. Je voulais pas trop accélérer. Et les pneus froids. Un petit peu de dirty air aussi. Oh. Oh. Ça, manette, hein. Contrôleur player, hein. Sinon, au volant, ça, je pense pas que vous le rattrapez, ça. Toujours les pneus froids. C'est pour ça qu'elle a glissé autant la voiture. Je vais rentrer dans les stands. Comme ça, je vais avoir personne devant moi pour me gêner et faire mes tours en 1,25. On peut taper, hein. Je crois qu'il n'y a pas de dégâts. Hein. Go, go, go. Ça qui est bien. Dans l'entrée des stands, tape le mur, pas de problème, il n'y a pas de dégâts. Hein. Tout va bien. Donc on n'a pas changé les pneus. On va faire attention. On va passer à des endroits un petit peu délicats là en plus là pour le pour réchauffer les pneus. C'est pas bon. On était dans les stands, faut faire attention. On va chauffer les pneus tranquille. Allez. On chauffe, on chauffe. Bon voilà, salut salut, merci gauchette, gauche, gauche, ça va ou quoi? Ça va, comment ça se passe? Merci, merci du follow. Oh, ça va tranquille. Essaye de faire les délits là sans faute. Bon voilà, il y en a qui sont rentrés dans les stands. C'est les premiers, je pense. Enfin les premiers. Les septièmes ou quelque chose comme ça. Oh, compliqué. Bon là, les pneus ils sont chauds. Bien. Ouais, faut se calmer quand même. Je suis à la manette. Merci de la question. Bienvenue. Pour
un petit live état des lieux de la nouvelle physique. Et pour ma part, elle est nickel, moi je trouve. Allez, 25. Que je fasse que des tours comme ça maintenant. Pour ma part, ouais, elle est nickel là, cette mise à jour. Ah ouais, comme j'ai dit, hein, tout droit, il n'y a pas de pénalité ici. Après, il y a juste les pneus qui sont un petit peu. Là, j'ai la Jaguar. Je sais que c'est pas la Jaguar normalement, la voiture méta. C'est plus la Aston Martin, mais la Jaguar va bien aussi, donc. Comme je me suis bien entraîné avec la Jaguar, j'ai pris la Jaguar. On va essayer de faire ça tranquille. Pas trop bouffer les pneus tout de suite. Parce que j'ai pas changé de pneu moi. Je crois qu'on peut faire les 13 tours. Sans changer de pneu. Non, j'ai pas signé chez Jaguar. Et puis là, oh putain, c'est mon deuxième compte en fait, mon compte canadien. C'est un compte random en fait. Je me fais plaisir, je fais des tests de voiture comme ça, des tests de circuit. Putain, elle glisse hein, quand même de l'arrière hein. Dans l'air accélération. Ouais, BMW c'est bien, en groupe 3 c'est bien, en groupe 4 un peu moins. Ouais, sinon ouais, BMW c'est bien. À partir du moment où tu as le choix des voitures, ça qui est bien. BMW en groupe 3, je crois que tu en as deux. Tu as la M3, la M6. Ou la M3, la M4, je sais plus. Non, la M4 c'est en groupe 4. La M6 en groupe 3. On va pas trop bouffer les pneus tout de suite, hein. Doucement. Je suis en 1,26, c'est moche. On va essayer de commencer à monter en dans le timing là. C'est là où ils vont rentrer dans les stands. Il faut absolument que ça. Que je mette un coup de boost ici là, que je sois en 25 quelque chose, parce que sinon ma voiture préférée en groupe 4 la Bugatti Veyron, et en groupe 3 la Nissan GT-R 2018. C'est vraiment les deux voitures. En groupe 4, elle est pas si polyvalente que ça, c'est plus dans les circuits rapides pour la Bugatti. Mais sinon la GTR elle est polyvalente sur tous les circuits, tu l'amènes partout cette voiture. C'est ça qui est bien. Oh putain, hop. Oh.
Ah! Ah là, c'est la. Oh, c'est une seconde ça! Putain, c'est au moins une seconde de pénal ça! Non, je suis deg! Oh, 500 millième, fils de. Oh, putain! Oh, c'était nul ça! Merde, 500 millième, bordel! Oh, je suis deg! Ah ouais, le nouveau circuit, ouais, Eger là. Bon, on l'avait déjà eu sur Gran Turismo 4 ou Gran Turismo 5, enfin l'un des deux. Et il est pas. Mais ouais, pas mal, ouais. Oh fuck! Elle est partie là-bas à gauche. Oh, ce sera pas une course. Rentable pour moi celle-ci. On verra. Faudra absolument que je fasse un chrono, sinon. Ça va pas le faire. Oula, attends, je vais te lire après. Oh, il a laissé, c'est cool. Il s'est planté, il a laissé la place pour que je passe. Oh, ça se bataille devant là-bas, c'est cool. Mais ils vont perdre du temps, moi je suis en une 24, une 24. C'est cool. Allez. Bon, les 25, hein, mais bon, j'ai perdu du temps avec l'autre. Ça perd du temps devant. Ça perd du temps devant, c'est cool. Ouais, ça perd grave du temps devant, c'est cool. Ouais, je joue sur PS5. Que je me sorte de la 8ème place là. Hein. Faut pas que je sois 8ème, je vais perdre des points. Ouah! Ah! Ah ben. Ça c'est cool. Oh putain! Ouais, c'est plus compliqué qu'avant. Hein. La régularité, il y a juste ça. Ouais, ok, pas de soucis. Mon PSN, tu fais point d'exclamation PSN et t'auras c'est Red Def tiré du bas ATM. Enfin, comme ma chaîne Twitch. Tu me trouves assez facilement.
C'est pas Sophie Rouge, hein. Ok. Oh putain. Comment ça se rallongeait là? Oh, ça perd du temps devant, mais... Moi aussi je perds du temps. Ah, 400 millième, putain la vache. Allez. 3 secondes 100, 3 secondes 3 secondes 100 avec avec la spie, la fin là-bas de la spie. Fin de la ligne droite, 3 secondes 100, 3 secondes 150 même. Oh. 3 secondes 200, ah ils perdent pas tant que ça, c'est moi là, j'ai perdu du temps. Ouais, je commence à perdre du temps là, les pneus. Secondes 100. Et ils vont perdre du temps ici, dans les sinueux. Oh, tout droit, nique sa mère, hein. Désolé. Oh, mais là, j'ai les pneus sales. 3 secondes 100, du coup, voilà. Je les repère. Ok, ça marche. Putain, les pneus sales encore. Ouais, en revanche, les pneus sales, on les garde longtemps. Ça aussi, j'avais pas prévu. Ouais, j'aurais pu bouffer les deux là-bas, c'est sûr. Putain, je suis débile. Ouais, c'est pas fini. Encore un tour. 4 secondes 100, ouais, c'est mort. C'est beaucoup là. Il y a quelqu'un au stand. Incroyable. Ah, c'est le premier. 1 seconde 7. Oh là là. Un sixième. Ah, je suis resté en 3. Hein. J'allais pas passer la 4 ici. Ah, ça se bataille devant. Oh, si je fais des erreurs de merde aussi. 3 secondes 6. Ah. Ouais, c'est mort. À moins qu'il y en ait un des deux avec une pédale, mais non. C'est mort. Ça sera 6ème. Bah, P14, P6. Avec un petit peu de trafic au début. Une pénalité de 500 millièmes. Ah, du coup. Si j'ai pas la P4, j'aurais pu avoir la P4, je pense, si j'avais pas fait toutes ces petites erreurs là. Rouler en 1.25 tout le temps, 1.25.3, 1.25.4, 1.25.3 tout le temps. J'aurais dû être premier DRS, donc lui il aurait dû être deuxième, ou premier et deuxième ici, les deux à plus. Puis moi je serais troisième ou quatrième, mais là je sais pas, je vais peut-être perdre des rangs de pilote. Même en étant sixième, je vais peut-être perdre des rangs de pilote, hein. C'est un truc de ouf. Hein. On va voir. Ah si, je monte quand même, ok. Il faut vraiment contrôler le frein.
À la manette, c'est compliqué hein, maintenant. Maintenant, à la manette, ça devient compliqué. Ça commence à devenir vraiment très compliqué. Là, c'est pas encore à cesser, mais voilà quoi. Ça s'en rapproche. Un bon choix de polyphonie. Surtout comme on pilote. Je pense que tout le monde, si vous respectez les règles, t'sais, de paramètres d'assistance, vous mettez les choses vraiment sans assistance. Ouais, la voiture, c'est compliqué. Ça en devient compliqué. Mais c'est fun, franchement. Vraiment, bonne sensation en ce moment. De bonnes sensations. Et à chaque virage, de pas trop appuyer, tu sais, de pas trop mettre d'angle dans le volant, de pas trop réaccélérer tout de suite, tu vois, tu réaccélères progressivement, tu freines pareil progressivement et tu lâches tu lâches l'accélérateur avant le freinage, etc. Tout ça peut te faire préserver des pneus. Sur 4-5 tours, tu fais ça, et après tu commences à mettre un peu plus de rythme. Et là, tu vas voir que arrivé à la fin, tu auras toujours des pneus. Tu pourras faire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait là, la course d'avant. Ouais, sinon, ouais, avec les retours de force. Sinon, la sensibilité manette, c'était manette. Tout va bien. J'étais pas sur son chemin. Waouh! Dirty air de ouf. Ah ouais, c'était sûr. Je lui laisse la place, hein, c'est joli. Voilà, je lui laisse la place et je le protège quand même derrière. La glisse ici beaucoup, faut pas attention. Ouais, elle glisse quand même pas mal ici. Enfin, en tout cas au premier tour. Après, je sais pas. Là, je suis toujours en train de chauffer les pneus, hein. Putain, elle a glissé la pute, pardon. Ah, putain, dirty air de moi. Oh là là, il est beaucoup plus conséquent hein, maintenant. Ça se bataille derrière de ouf. Allez, c'est bon, j'ai gardé ma place. C'est le principal. Merde, putain, j'ai freiné tellement tôt. Ah, putain. Follow, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Oh merde! Oh la vache! Putain, là c'est moi. Oh, ils vont me rattraper de ouf. Oh, j'étais bien parti pourtant, dommage. Hop, on va essayer de garder la distance sur eux. C'est mal barré. Je fais de la merde pareil. Oh bah ça va, ils se sont plantés. Ok.
Allez, on va essayer de récupérer le quatrième là-bas. Ah, c'est beaucoup plus précis au niveau du freinage, faut vraiment faire attention. Au niveau des points de réaccélération, faut vraiment être précis maintenant. Ah, elle glisse, la pute. Une seconde 9. Seconde 7. Oh putain, rien qu'avec la vitesse, hein. Abusé. Oh, rien qu'avec la vitesse. Ah, c'est abusé. Cette voiture. 272, 273 là-bas, là. Déjà, ça, c'est abusé. Niveau reprise, pareil. Niveau. Putain. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais. Ils l'ont up de ouf. Tous ceux qui ont signé c'est chez Toyota, bien joué les mecs. Quand vous avez une voiture là, énervé. Regarde, 250, je suis à 260. Alors que la GTR est galère là, elle est à 260. Elle. J'ai 7-8 km/h de plus. C'était nul. Oh. Allez, une seconde 5. Trois tours. Une seconde 5. Allez, putain, tourne. Fuck. Une seconde 5. Merde, à cause de ce virage de mort. Tourne pas là-bas. Ah, ça, c'est bon, c'est pas connard. J'ai pas voulu le toucher, même en fantôme. Hein. J'aime pas. Je trouve ça insultant pour le mec qu'on double. Le mec il est en fantôme et puis t'en profites. Je trouve ça insultant, j'aime pas le faire. C'est pas beau. Ah, merde. On m'a attrapé là. C'est mieux ça que de prendre une P1. Ok. Ok.
Voilà, c'est mieux. Ouais, elle a glissé un tout petit peu ce qu'il fallait sur le vibreur. Flac, tu vois, l'arrière, il a glissé un petit peu. Ouais, ce tour-là, il est nickel. Sur ce vibreur-là, il est nickel. Sur ce virage-là. Incroyable. Oh non, putain. J'avais tout gâché. Non. Pourquoi je suis passé à 3? Fuck. Oh merde. Quel con. Ah, pourquoi j'ai passé à la 5 là aussi? Je commence à faire des conneries. Une seconde 100 derrière, nickel. Il a plus la suite. Ah, c'est quoi, c'est une GTR devant, hein? Ah, il y a moyen, hein? Je vais tout faire, les trajectoires nickel et tout ça pour, mais ça va être tendu quand même. Ah, je peux pas là. Dommage. Allez, on va essayer, hein. Deuxième. Ah, il regarde derrière. Oh, il est perturbé. Un peu de dirtière ici. On passe la 5 avant. Ah, il est perturbé. Dortière ici, de ouf. Fallait que je fasse attention ici, c'était sûr. J'allais faire un truc de merde. Là-bas aussi, là, dans le prochain virage, que je fasse attention. Puis on verra au freinage, hein, si ça passe. Ouais, j'étais obligé là. Dirtière de merde. Ah merde. Je sais pas s'il a une pédale. Non. Hein. Ah, il a de la chance. Ah, il a eu de la chance. Bien joué. Elle est belle cette course là. Putain. Bon, après, il y a que des AS et des BS. Assez facile, mais. Bon, P6, P6, P3. Nickel. Bigatil, bienvenue, merci beaucoup du follow. Le point principal en fait dans cette mise à jour là, faut vraiment faire attention à son freinage. Et le freinage dégressif, il est vraiment tellement punitif maintenant. Parce qu'au final, bah, si tu mets 100% de ta gâchette, bah, là, ouais, là tu tires tout droit. Là vraiment, en ABS faible, tu tires tout droit. Tu bloques le train avant, tu vas tout droit. Et dans ton virage, tu es là, tu veux tourner, putain, ta voiture elle va tout droit, c'est chaud, ça merde. C'est vraiment très très dur. Bien joué, merci pour la course, parce que c'était amusant. Merci les gars. Et aussi très important, les gars, revisionnez ce que vous avez fait. Les courses que vous avez fait, que vous avez bien fait, vous avez dit, tiens, je suis bien passé dans ce virage. Là, je suis bien passé dans le virage au quatrième tour, là, dans le droite rapide. Bah, je vais voir comment je me suis démerdé pour le faire. Et au final, bah, ça va me travailler le circuit. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on va plus vite. Voilà. Ça a glissé ce qu'il fallait en fait. L'arrière, il a glissé ce qu'il fallait. Pile poil sur le vibreur, l'arrière, il a glissé ce qu'il fallait. Pas plus.
Il faut vraiment, voilà, lécher cette petite bordure là. Pas taper ce poteau vert parce que ça fait perdre du temps, c'est vraiment inutile. Et là, en fait, là, à partir de ce moment-là, l'arrière, il commence à se dérober un petit peu plus que d'habitude. Enfin, que si tu prends pas le vibreur. Grâce au vibreur, en fait. Pousse ton cul là-bas. Hop. Ah, c'est trop. Franchement, la physique, elle est tellement bien faite maintenant. Oh, non, c'est propre. Vraiment, c'est bien fait. On le voit dans mon volant, je pense. Enfin, dans mon volant, dans ce que je fais au volant. Hop, voilà, ça fait une petite secousse. Ça fait une petite secousse sur la voiture. À partir de là, voilà, juste là, tac, ça a fait un petit saut, un petit tac comme ça là. C'est juste ça qui m'a permis de garder l'accélérateur à fond. Sinon, je passais pas à fond là. Bah, le jeu, ouais, maintenant c'est vraiment plus précis au volant, hein, ouais. Non, vraiment, je suis étonné de cette mise à jour. Je suis étonné dans le bon sens du terme. Je suis satisfait. Je suis satisfait. On peut dire ça. Franchement, très bonne mise à jour pour moi. Et au final, ouais, mise à jour vraiment impeccable pour moi. Niveau manette, très bon ressenti. Les pneus, on sent qu'il y a quelque chose quoi qui a changé au fait. Et au niveau des freins, enfin, au niveau du contact pneu asphalte, quand on freine, c'est différent. Il faut mettre au moins 1 mètre de distance avec les points de freinage qu'on avait avant pour, ben, je dis 1 mètre, mais vous m'avez compris quoi. Mais faut rallonger les points de freinage. Mieux pour mieux ressortir, mieux anticiper l'accélération progressive au final, parce que si tu accélères trop fort, elle glisse. Enfin, maintenant, vraiment, la sensation des pneus sur le bitume, c'est différent. Let's go! Merci, merci. Oh putain, merde. Tu vois, comme quoi, hein. Comme ça, les freinages maintenant. À ma gauche. C'est hop. Putain. Bon, avec leur connexion américaine là, ils lag de ouf. Passe-le. Ouais, passe-le. Je te suis. Dum. Il est parti tout droit. Oups. Il est parti de droit. Je t'ai donné une petite impulsion pourtant. Allez, passe mon ami, passe.
putain. Oh putain, la roue dans l'herbe. Allez mon ami, Blaze. Ouf, j'allais le suivre. Allez, on va le coller l'autre là-bas là. Hop, je le pousse. Encore. Voilà. On lâche un peu. Oh, j'étais obligé. Sinon je tapais. Oh là là, merde. La vitesse qui m'a fait perdre. Merde, c'est pas grave. Après, j'allais ruiner sa course et ruiner ma course, hein, donc c'était nul. Comme action, c'était nul. Allez mon gars, t'inquiète, t'inquiète. Ouf, je vais donner une impulsion de ouf. 2,90 au calme. Je lui laisse la place à droite là. Je sais pas ce qu'il veut. Ok. 44-8, bien joué. Ouais, maintenant, vraiment, c'est mieux. On peut vraiment jouer avec l'accélérateur, le freinage pour faire pivoter la voiture. Avant, c'était moins retranscrit. Là, c'est vraiment mieux fait. En Porsche, ça doit être excellent en Porsche. Les virages que tu dois prendre. Allez, Blaze. Non, non. Mascar. Bien. T'inquiète, t'inquiète. On est là, mon pote. Voilà, tout pour faire attention. Non, oh, il avançait vite lui d'arme, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. T'inquiète. Oh! Allez, go! Voilà ça, cette glisse-là, là, c'est ça que je parle. Ça peut te faire tellement gagner de temps dans les virages. Si vraiment tu la maîtrises correctement, tu peux tellement gagner du temps. Ah, ça c'est cool que ça s'est produit sur ce circuit-là, là. Je vais pouvoir le mettre en avant sur YouTube. Allez, je vais essayer de monter comme ça. Je vais prendre vraiment à large. Prendre le maximum de vitesse ici.
pareil pour celui-là. Ouais. Ça, c'était beau. Oh putain, non, ça c'est pas bon. Bref. Ouais, cette petite glisse là, là. C'est chaud. Il est derrière mon queue. Ouais, non, c'est bon, ça passe. 420. 400. Ouais, c'est bon. Allez, va. Rapide. Rapide, rapide. GG. GG. Il y a quand même 5 secondes le premier. Didi, didi, merci, merci. Oh, très bonne fin de vidéo parce que ça me permet de faire voir comme quoi avec ce type de physique-là, on arrive à faire des choses meilleures en fait. Parce qu'avant, c'était compliqué de le faire ça, de travailler le châssis pour pouvoir glisser. Il faut aller avoir un volant en fait. Là, à la manette, on commence à ressentir les mêmes choses, pas les mêmes choses qu'un volant, mais on commence à gérer mieux les choses, pratiquement comme un volant quoi. C'est ça qui est mieux. Vraiment, très bonne mise à jour pour moi.